La Matmute vous présente la quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir, oui, un grand plaisir de vous retrouver, c'est comme ça chaque semaine Félix, hein, bonsoir. Effectivement Sylvain, bonsoir, vous allez bien? Ouais, on est heureux de revenir à l'antenne hein, le lundi. Ouais, avec un sujet sérieux, hein. Ouais. On va parler du municipal. Mais oui, on est un lendemain, évidemment on le sait tous, de week-end électoral, week-end municipal, et ça va être notre premier sujet de ce soir Félix. Oui, avec Michel Bussy qui est un auteur à succès et politologue, vous êtes enseignant à l'université de Rouen notamment, et vous nous faites le plaisir de participer à cette émission pour analyser, prendre un peu de recul pour commenter ces élections municipales en Haute-Normandie. En deuxième partie d'émission, un peu plus de légèreté, on va parler d'une œuvre de l'église Saint-Maclou, un monument exceptionnel. Les auteurs vont nous parler de ce lieu. Écoutez, on le dit d'ores et déjà, le joyau. Hein. Ils osent l'appeler le joyau et je crois bien qu'ils ont raison, c'est un joyau. Du modélisme, un sujet qui vous passionne, Sylvain, avec Bertrand Russell, qui fait partie d'Elbeuf Modélisme. Oui, on va tout vous dire sur ces merveilles de technologie que sont ces petits hélicoptères radiocommandés. Vous en avez certainement entendu déjà parler, mais là, on va creuser un peu le sujet. Et puis évidemment, on va parler des drones parce que de plus en plus, ces petites machines à plusieurs rotors envahissent les espaces aériens. C'est le début de la quotidienne en direct sur LCN. Michel Bussy, politologue, analyse. Voilà, ce sont les trois termes qui nous permettent d'introduire le premier plateau de cette P1 de la quotidienne ce soir. Politologue et auteur à succès, on le rappelle quand même, vous faites partie des auteurs français les plus vendus. Vous êtes 8e selon le classement GFK Le Figaro, en ayant vendu 480 000 livres en 2013. Donc déjà, félicitations. Merci. Mais on va revenir à la politique tout de suite. Au niveau national, l'abstention, le Front National, les grands gagnants de cette élection. Est-ce que ces résultats, ces constats, se décline à la Haute-Normandie. Oui, la Haute-Normandie n'est pas une région qui se distingue beaucoup, finalement, de la France. Alors, on pourrait distinguer quand même l'Eure, qui classiquement suit beaucoup plus les mouvements nationaux. Donc, quand la France penche à droite, l'Eure penche à droite, et inversement. Donc là, effectivement, on pourra le détailler tout à l'heure, mais on a un mouvement de droite dans l'Eure beaucoup plus marqué, hein, puisque des villes comme Évreux, Vernon, Les Andelys, Louviers, peut-être, risquent de basculer de la gauche vers la droite. C'est moins marqué en Seine-Maritime, qui est un département traditionnellement plus à gauche, hein. Même si là encore, il y a des exceptions, puisque Le Havre est une ville durablement ancrée à droite, et s'il y a beaucoup d'incertitudes sur d'autres villes comme Rouen ou Mont-Saint-Aignan. Cela dit, si je ne m'abuse, Dreux est une ville qui, il y a plusieurs décennies, était déjà à droite. Dreux, oui, mais Dreux est en Eure-et-Loire, pas dans l'Eure. Vous avez raison. J'ai mal situé la frontière. Donc on peut l'analyser comme une désaffection pour l'électorat de gauche, hein, une sanction pour le gouvernement notamment, et une mobilisation quand même de l'électorat de droite malgré les différentes affaires qui touchent l'UMP. Oui, il y a vraiment deux phénomènes. Il y a un phénomène lent d'augmentation de l'abstention qu'on voit à toutes les élections. Maintenant, ça fait pratiquement 15 ans qu'à chaque élection, peut-être à l'exception des présidentielles de façon très temporaire, on vote de moins en moins, que ce soit législative, au cantonal et maintenant municipal. Donc là, c'est 5 points de moins, donc c'est brutal au niveau national. Pourtant, c'est municipales, c'est l'élection préférée des Français, globalement. Oui, alors c'était l'élection préférée des Français. Ça évolue tout de même, on le voit, puisque avant, on était à 80% de participation. Là, on voit, on est maintenant plutôt aux alentours de 60, mais même parfois à 50. Dans les grandes villes comme Rouen, on est un peu plus de 50%. Et au Havre, on était à moins de 50% de participation. Donc là, on voit bien que ça beaucoup baissé, finalement l'élection municipale devient presque une élection comme une autre. Il n'y a plus ce côté sacré du maire et cette espèce de lien social autour de la commune. Désormais tout ça a beaucoup évolué et finalement on n'y va pas là. Ce qu'on note aussi quand même sur l'abstention, c'est que c'est très différent sur les communes. C'est-à-dire les communes où il y a un enjeu, les gens vont voter. Les communes où il n'y a pas d'enjeu parce qu'on sait déjà que le sortant va être élu, les gens ne vont pas voter. Ce qui montre que c'est moins une désaffection du politique qu'un, on dit souvent, une attitude stratégique des gens. C'est-à-dire les gens s'intéressent aux politiques, mais après tout, si l'élection est à jouer, ils ne vont pas aller simplement parce que l'élection serait sacrée, un droit qu'il faudrait tenir comme ça, ils ne vont pas aller voter. Ils vont se dire, après tout, il n'y a pas besoin de ma voix.
Donc pour vous, c'est pas un total désamour pour le politique en soi, mais voilà, il y a aussi de la stratégie et peut-être du coup moins d'abstention au deuxième tour pour quand les triangulaires ou les duels seront plus serrés. Oui, peut-être, mais le second tour est toujours compliqué parce qu'il y a effectivement des gens qui vont se mobiliser que au second tour, mais il y a aussi des gens qui ont voté pour les petites listes, pour les extrêmes, pour les écologistes et qui n'iront pas voter parce que l'offre est évidemment plus réduite quand il ne reste plus que deux ou trois candidats. Faisons un petit tour d'horizon des communes importantes où le résultat sera stratégique ou serré en Seine-Maritime, par exemple. On peut commencer par Le Havre, grand, grand succès pour Édouard Philippe. On savait qu'il devait repasser, mais au premier tour, c'est un résultat assez important. Pour oui, c'est même un double exploit pour Édouard Philippe, parce que c'était sa première élection en tant que maire. Auparavant, c'est donc Antoine Ruffnac qui était maire, donc c'est toujours compliqué, un passage de relais entre un maire charismatique comme donc Antoine Ruffnac et un nouveau maire. Donc c'est presque exceptionnel que pour une première élection, on soit élu au premier tour. Et le second exploit, c'est que Le Havre reste une ville sociologiquement de gauche. C'est une ville qui a largement voté pour François Hollande, c'est une ville qui vote à gauche dans toutes les autres élections, mais pas la mairie. Et donc là, on a presque à niveau national une exception havraise. C'est un cas de figure très étonnant. Et depuis maintenant 4 mandats, c'est la droite qui l'emporte. Et ce qui est très étonnant, c'est le score très très faible de la gauche. La gauche qui est réunie à peu près 30% si on prend le PS et le PC. Donc c'est vraiment un échec très fort et qui va questionner quand même la gauche, qui maintient pourtant des députés au Havre, qui a des conseillers généraux et qui pourtant, sur la mairie, n'arrive pas à prendre et même à menacer les deux maires successifs, Antoine Ruffnac, puis Édouard Philippe. Est-ce que ça veut dire que pour les municipales, l'étiquette politique, la couleur politique est parfois secondaire par rapport à l'action ? Elle l'est parfois, mais pas toujours. Alors évidemment, Édouard Philippe bénéficie de l'effet de la droite, donc il y a quand même un effet positif national pour la droite. Mais il a enlevé le logo UMP sur son affichage, par exemple. Oui, mais bon, les électeurs sont par sages qu'Édouard Philippe est de droite, et s'il avait voulu voter pour un candidat PS, il savait qui était le candidat PS. Donc il bénéficie quand même de cet effet positif de la droite. Néanmoins, il est tout à fait clair qu'il y a un grand nombre d'électeurs de gauche au Havre qui ont voté François Hollande, qui voteront sans doute encore à gauche sur une autre élection nationale et qui par contre votent Édouard Philippe pour les gestions de leur commune. Donc là, effectivement, les électeurs, c'est pour ça que je disais que les électeurs ne se désintéressent pas du politique. Au contraire, ils sont assez stratégiques, ils sont capables, dans une certaine mesure, de distinguer les enjeux et de séparer leur idéologie de la meilleure personne qui leur semble possible pour gérer les affaires de leur commune. Pour le Parti communiste, là-bas, c'est un échec retentissant par rapport au PS. Le PS a fini devant Nathalie Neil. Oui, alors c'est quand même serré, mais c'est vrai que traditionnellement, le PC restait quand même assez largement devant le PS. Donc là, effectivement, on peut penser qu'il y a vraiment un échec de la mobilisation dans les quartiers populaires et que là, effectivement, la gauche, et notamment le PC, le paye cher. Ce qui est étonnant, c'est que le PC fait un très faible score au Havre, alors que partout ailleurs dans la région, il réalise des scores très importants. On parlera peut-être de Dieppe, où le maire PC, Fabien Schmuel, est quasiment réélu. Jean-Paul Lecoq à Gonfreville est réélu. Hubert Vulfranc à Saint-Étienne-du-Rouvray est réélu. Donc en fait, le PC va plutôt maintenir toutes ses communes. Et Le Havre, là encore, ils vont sans doute l'analyser en détail parce qu'il y a une forme d'échec très particulier au Havre, alors que le PC ne semble pas subir finalement ce rejet du gouvernement, puisqu'évidemment le PC n'appartient pas au gouvernement. Oui, bah justement, puisque vous en parlez, on va faire un petit point sur Dieppe. Donc Bernard Brébion, qui était sans étiquette mais catégorisé divers gauche, ne recueille que 18% des voix, et Sébastien Jumel 45%, André Gauthier est second avec 24%, et le FN n'ira pas au second tour avec 9%. Quel commentaire vous faites sur cette commune de Dieppe ? Alors aussi, c'est une commune très, très atypique, puisque quand le PC a perdu la mairie de Dieppe, au profit d'Édouard Levaux à l'époque, donc la droite, tout le monde pensait que le PC à Dieppe, c'était terminé, que c'était de l'histoire ancienne. Et pourtant, un jeune maire, il y a 6 ans, Sébastien Jumel, qui avait pas 40 ans à l'époque, reprend la mairie, et on le voit, enfonce le clou, puisque là, il est pas réélu au premier tour, mais enfin, pas loin, et il va falloir du temps, sans doute, pour le déloger. Donc on voit que finalement, l'histoire est compliquée à écrire, parce qu'on a l'impression, par exemple, que le Parti communiste est terminé, puis finalement, un jeune candidat arrive, reprend la mairie. Dieppe, qui pourtant est une ville qui s'est transformée, qui est maintenant une ville plus touristique, enfin voilà, qui n'est pas seulement une ville portuaire et ouvrière, et pourtant, elle a à sa tête un maire qui, là encore, évidemment, déborde largement de son étiquette politique, mais qui ne se cache pas qu'il soit un maire PC. Donc il y a évidemment, là encore, des tas d'électeurs, y compris à droite, qui votent pour un maire PC, parce que sans doute qu'ils considèrent que c'est un bon choix quotidien.
Le PC récolte les fruits justement de son opposition récurrente par rapport au gouvernement. Non, je pense pas. Je pense vraiment pas, parce que dans la région, on a toujours des accords PCPS, presque toujours des listes d'union. Alors évidemment, à Dieppe, on sait qu'il y a une opposition entre le PC et le PS, mais enfin, globalement dans la région, c'est plutôt une entente cordiale. Donc je pense vraiment que les gens distinguent cela. Et au contraire, je pense que s'ils élisent des maires PC, c'est sans doute pour la plupart parce qu'ils ne voient pas forcément une énorme différence avec une gestion de gauche ou de gestion sociale en général, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une idéologie particulière au sein de ces communes. Toujours en Seine-Maritime, Rouen, un demi-échec pour Yvon Robert, selon vous, 30%, le maire sortant pouvait espérer mieux. Ah bah oui, parce que, enfin, demi-échec, il faudra attendre le second tour, hein, bien entendu, hein, on est qu'à la mi-temps d'élection, mais il est évident que par rapport à l'élection triomphale de Valérie Fourneyron il y a 6 ans, là, c'est une élection de tous les dangers, hein, puisque on est dans, même si on pourrait dire, en sortant la calculette, qu'Yvon Robert dispose de davantage de réserves de voix à gauche que son opposant à droite. Mais enfin, tout ça est très serré. Un tour ne fait pas l'autre. Et on peut s'attendre à un second tour très serré. Donc il est évident que là, par rapport à ce grand succès de Valérie Fourneyron et tous ceux qui prédisaient que Rouen était définitivement passé du centre droit au centre gauche parce qu'il y avait eu une boboïsation du centre-ville, etc., eh bien non, ça n'est pas aussi simple que ça. Et effectivement, Rouen pourrait effectivement basculer à droite, hein, au vu des chiffres. En tout cas, ça sera très serré et ça se jouera sur la mobilisation des différents quartiers. Alors a priori, aucun candidat Front National ne pourra obtenir une mairie en Haute-Normandie, mais ils vont pouvoir intégrer les intercommunalités et les conseils municipaux notamment. Oui, ce qui est très marquant par rapport au Front National, c'est... Alors il fait des scores élevés dans le département de l'Eure, c'était attendu, 28% aux Andelys par exemple, mais ce qui est assez nouveau, c'est que le Front National fait des scores importants dans des communes de Seine-Maritime, en particulier dans des communes de l'agglomération de Rouen, où il ne présentait même pas de liste il y a encore 5 ou 10 ans. Je note, hein, par exemple, 28% à Desvilles-les-Rouen, 25% pardon, à Desvilles-les-Rouen, 20% à Canteleu, 18% à Darnétal. Bon, ce sont des scores très importants. Et effectivement, de ce point de vue-là, le FN va se présenter comme la force d'opposition OPS dans l'agglomération, est ce qu'il a coutume d'appeler la Fabusie, hein, c'est-à-dire effectivement une agglomération gérée très majoritairement par le PS. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de communes, comme Elbeuf, comme à Petit-Quevilly, où la droite n'avait même pas présenté de liste, ou alors comme à Grand-Quevilly, où elle présentait des candidats très très jeunes, de 18 ans, bon, qui n'avaient aucune expérience politique. Donc effectivement, le Front National peut se dire, dans ces cas-là, l'opposition Elbeuf, l'opposition de droite, l'opposition à la majorité de gauche, c'est le Front National. Effectivement, ça va aussi obliger la droite, l'UMP ou l'UDI, à se repositionner, parce qu'évidemment, laisser l'opposition, notamment en termes d'agglomération, parce qu'on peut faire confiance quand même aux élus Front National pour agiter, et voilà, et ça va être une grande nouveauté qu'au sein de l'agglomération, finalement, on ait une double ou une triple opposition. On avait déjà des élus écologistes, hein, on aura maintenant un petit peu tout l'échiquier politique au sein de l'agglomération. Pour en finir avec la Seine-Maritime, un petit mot sur Fécamp. Pour la première fois depuis 30 ans, la droite est en tête. Oui, alors bon, évidemment, il y a une primaire à gauche qui a été une primaire compliquée, hein, puisque donc Estelle Grelier doit faire face à, en quelque sorte, une dissidence d'un adjoint. La grande question, c'est est-ce qu'effectivement, à Fécamp, ils parviendront à s'entendre pour le second tour? S'ils s'entendent sans trop de casse, on pourrait dire que le PS devrait ou pourrait garder la mairie de Fécamp, mais il y a aussi des réserves à droite de voix, et ça sera évidemment compliqué. Et là encore, si on se réfère à l'élection triomphale de M. Jeanne il y a 6 ans, là encore, on voit bien la perte, puisqu'on n'imaginait pas que Fécamp puisse tomber. Se pose aussi la question du cumul des mandats, hein, puisque évidemment, cette loi n'est pas encore passée, mais va passer en 2017, et par exemple Estelle Grelier, si elle est maire de Fécamp, devra éventuellement abandonner son mandat de député ou abandonner son siège de maire de Fécamp. Évidemment, ça met aussi un petit peu en difficulté cette loi sur le cumul des mandats. Quelques députés, d'ailleurs souvent des femmes, en Seine-Maritime. Donc curieusement, maintenant, ces femmes qui se sont fait élire députées, il y a 6 femmes députées en Seine-Maritime, par exemple, et bien du coup, sont un petit peu gênées par cette loi du cumul des mandats. Passons un peu à l'heure. Les Andelys et Vernon devraient repasser à droite. Oui, ce qui marque, c'est effectivement l'échec des maires sortants. Alors, les Andelys, comme Vernon, étaient des villes traditionnellement de droite. En particulier, Vernon, hein, est une ville qui a presque toujours été à droite, hein, et même très largement à droite. Et c'est vraiment une grande surprise qu'en 2008, Vernon soit passé à gauche, et ça n'a été visiblement qu'une parenthèse. Et
Là, la droite apparaissait divisée encore entre un candidat donc avancé par Monsieur Bruno Le Maire et puis l'ancien maire Jean-Luc Mirot. Mais même avec cette primaire à droite, finalement, la droite va reprendre Vernon, ce qui là n'est pas une surprise. À Évreux, ça sera serré pour le maire sortant Champredon. Oui, ce sera serré, mais là encore, si on fait les comptes, effectivement, c'est assez serré en nombre de voix. Néanmoins, effectivement, un maire sortant qui fait un score très faible tout de même, il doit être à 21 ou 22% à peu près, ça n'est pas une dynamique très favorable pour un second tour, même s'il y a une extrême dispersion des voix de gauche, c'est très compliqué de récupérer l'ensemble de ces voix pour aller s'approcher des 50%, puisque le Front National va se maintenir, donc on peut dire quand même au vu du score que c'est quand même un ballotage favorable à la droite. Là encore, Évreux est une ville qui a souvent eu de l'alternance, on se souvient qu'évidemment Jean-Louis Debré a été maire d'Évreux, donc c'est une ville qui est déjà assez souvent passée à droite récemment. Et là encore, c'est quand même à la faveur aussi de querelles à droite que Michel Champredon avait pris la mairie de peu. Voilà. Donc c'est une ville qui va alterner assez souvent de gauche à droite. Là, clairement, je pense que la droite peut nourrir de sérieuses ambitions à Évreux. Avec une quadrangulaire à attendre à Évreux ? Alors, ça dépendra vraiment des accords entre positions. Bon, on peut quand même penser que le PS et le PC vont s'entendre. Généralement, dans la région, hein, PS et PC parviennent à s'entendre et les reports de voix sont généralement assez bons entre les deux listes. Après, il peut toujours y avoir localement des querelles de personnes qui font que, ne serait-ce que de façon physique, deux personnes ne peuvent pas faire campagne ensemble. Et dans ce cas-là, soit y a une personne qui peut tout simplement se retirer. Faut pas oublier qu'il y a quand même des consignes fédérales fortes à un moment donné et que des villes comme Évreux, comme Fécamp, comme Dieppe, sont quand même des enjeux tout à fait importants. Et on peut toujours avoir une dissidence, bien entendu. Mais évidemment, il y a aussi de la stratégie. Les partis politiques sont faits aussi pour avoir de la stratégie territoriale. Et c'est ce qui, effectivement, fait qu'on peut gérer ces territoires, enfin que les partis peuvent gérer ces territoires. Rapidement, on peut préciser qu'à Louviers, ça sera aussi compliqué pour Franck Martin, le maire sortant de gauche. Hervé Morin était réélu à Épagne et Marc-Antoine Jamais était réélu à Val-de-Reuil. Quelle sera la clé du second tour, selon vous, Michel Bussy ? À qui peut profiter le réveil des abstentionnistes ? Alors, il y a deux clés. Alors, le réveil des abstentionnistes, ils ne sont pas encore réveillés, les abstentionnistes, parce que, comme je disais, il y a aussi une offre de petites listes qui va disparaître. Il faut bien voir aussi que les fusions, il va y avoir énormément de fusions au second tour, ne plaisent pas aux électeurs. C'est un mode de scrutin d'ailleurs qu'il faudrait peut-être réformer parce que cette idée qu'on fait campagne l'un contre l'autre et qu'on se rabiboche avant le mardi 18h pour tous faire campagne sur le marché ou dans les rues, main dans la main, alors qu'on s'est envoyé effectivement les programmes à travers la tête pendant plusieurs mois. Évidemment, ça ne plaît pas aux électeurs. Évidemment, ça ne fait pas bien à la participation. Et évidemment, ça pousse un certain nombre d'électeurs à se sentir floués parce qu'ils ont fait un choix et que finalement, leur choix ne compte plus puisque les deux candidats, les deux listes se réconcilient. Donc ça joue beaucoup, je pense, dans cette impression d'abstention, de se dire pourquoi aller voter après tout puisque ça n'est qu'une sorte de jeu, de stratégie, etc. Donc je pense que là, il ne faut pas forcément compter sur les électeurs qui se réveillent. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux, c'est la capacité à gérer ces fusions. Et puis un autre enjeu, c'est quand même l'attitude du Front National puisqu'il est en position d'arbitre. Le plus souvent, il se maintient. Mais même en se maintenant, on sait que le Front National ne fait pas forcément le plein de voix au second tour. Il peut y avoir des électeurs Front National qui se disent « Au second tour, je vote pour mon maire ». Et comme ils savent pertinemment que le maire ne sera pas un maire Front National, ils peuvent choisir à gauche ou un peu plus souvent à droite. En tous les cas, il ne faut pas oublier non plus ce phénomène-là. Donc voilà, donc ça va être effectivement des scrutins, dans bien des cas, assez serrés, et à haut risque tout de même pour la gauche, qui avait, il ne faut pas l'oublier, tout de même réalisé un quasi grand chelem dans la région, à l'exception du Havre, toutes les villes étaient de gauche. Il est aussi assez logique, et même dans une démocratie presque rassurant, qu'il y ait des formes d'alternance, une forme d'incertitude dans le résultat d'une élection sur l'autre. C'est très cyclique tout ça, finalement. On sanctionne localement les politiques nationales, souvent. Oui, mais c'est un petit peu plus... C'est vrai pour les grandes villes, mais pas tant que ça. Disons, ce qui ne bouge peu... Par exemple, on voit que l'agglomération de Rouen, par exemple, va vraisemblablement peu bouger, parce qu'il y a beaucoup de communes, notamment de la rive gauche, qui sont durablement à gauche, et sauf séisme, elles ne bougeront pas. Donc finalement, effectivement, on parle d'Évreux, on parle de Rouen, on parle de Vernon, qui sont des villes
symboliques qui peuvent comme ça faire de l'alternance, mais on a aussi beaucoup de petites villes moyennes qui elles ne vont pas bouger, et comme aujourd'hui l'intercommunalité est importante, finalement ces grands rassemblements de métropoles, eux, ne bougent pas forcément autant. Juste en deux mots, quelle est votre opinion sur le vote blanc? Est-ce qu'il faut le compter? Oui, moi je pense qu'il faut le compter parce qu'il faut prendre des mesures. De toute façon, toutes les mesures qui pourront essayer de faire baisser l'abstention sont bonnes. Donc le vote blanc ne te retire rien à un parti en particulier et peut éventuellement ramener quelques électeurs. Bon, je pense que ça relève tout de même du gadget, c'est-à-dire qu'on sera à quelques pourcentages, mais c'est pas ce qui va durablement faire revenir les électeurs aux urnes. Mais en tout cas, c'est une offre en plus. Et voilà. En tout cas, ça ne peut pas nuire à la participation. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras-le-corps parce que c'est un vrai danger pour la démocratie que d'avoir désormais de flirter avec moins de la moitié des citoyens qui se déplacent pour une élection qui doit être une élection reine, qui est l'élection municipale. Merci beaucoup, Michel Bussy. Merci à vous. On va se retrouver dans la partie 2 de la quotidienne avec une forme d'élévation, double élévation, hein, dans les clochers de l'église Saint-Maclou, le joyau comme on dit, et puis en hélicoptère radiocommandé. Pour l'instant, c'est la publicité, juste après l'actu du jour, présentée par Stéphanie Jus ce soir. La Matmut vous présente la quotidienne.